Bonjour, bonjour les petites escrapounettes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Me revoilà en train de faire mes vidéos, de partager avec vous tout ce que j'aime, toutes mes créations. Et voilà, enfin, j'adore vous retrouver trois fois, voire quatre fois dans la semaine. Voilà. Oh, j'ai l'impression d'avoir pas une jolie tête. Pas une jolie tête, effectivement. Je n'ai pas bien dormi du tout. À 2 h du matin, j'étais réveillée. J'ai failli me lever pour scraper. Eh oui. Mon des petits yeux. Bref, aujourd'hui, je vais vous lancer le concours de l'automne. Je voulais faire un gros concours. Pour, voilà, pour fêter l'automne, c'est une saison que j'aime beaucoup, avec plein de couleurs, de l'orange, du jaune, du marron, enfin voilà, vraiment, on peut faire beaucoup beaucoup de choses en scrap à l'automne. Donc je voulais vous faire un concours en attendant mes 500 abonnés, mais qui arrive pas, on sniffe. Faites-moi connaître un petit peu autour de vous. Pour que j'arrive à mes 500 abonnés. Je suis sûre que vous avez des copinettes qui font du scrap. Alors, allez-y. Parlez-moi de vous. Parlez-moi de vous. Non. Parlez de moi à vos copines. Et parlez-moi de vous si vous voulez en commentaire. Ça, j'adore lire vos commentaires. D'ailleurs, je ne sais pas, mais je réponds à chaque fois. Voilà, parce que je trouve que c'est la moindre des choses et je suis bien contente de vous lire, de partager, que vous me fassiez partager tout ce que, voilà, tous vos remarques, que ce soit, voilà. Donc les remarques sont constructives, moi ça me va. Voilà, vraiment, merci, merci mille fois pour toutes celles qui me laissent des commentaires, qui likent. Aussi, voilà. Du coup, le concours. Alors, le concours, je vais vous demander de m'envoyer 3 ATC dans leur pochette. Connaissez-vous les ATC? Oh, il y en a beaucoup qui doivent connaître quand même. Mais je vais vous expliquer. Alors, attendez. J'ai oublié quelque chose. Et comme je ne suis pas dans ma pièce, je suis obligée de mettre pause. À tout de suite. Voilà, je suis de retour. Alors, j'étais allée chercher des exemples d'ATC. Alors, attendez. Alors. Celles-ci, elles sont très bien. Alors, l'année passée, mon fils scrapait beaucoup avec moi. Non, un petit peu moins cette année. Donc, il nous avait fait 3 ATC sur le thème d'Halloween. Voilà, celle-là. Celle-là. Et celle-là. Alors, c'est un format de petite carte. Alors, sur complètement autre chose, mais là, il y a du matage, par exemple. Là, voilà. Comme ça, vous voyez, elle a maté. Voilà. Donc, la seule contrainte que vous avez, c'est les dimensions. Alors, attendez, je range ça. Voilà, c'est là. Hop, une, deux. Ah, les étoiles sont allées. Oui, et c'est mon fils qui avait fait le fond. Vous voyez? Très joli.
Ouais, c'était régalé, ouais. Alors, j'ai celle-ci aussi, c'est sur les rois mages. Alors, ce qui est bien de mettre derrière les ATC, et je vous donnerai les dimensions après. Par exemple, vous en faites 3 de la même série. Et bien, vous faites 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. Voilà. Vous mettez le titre de l'ATC. Et bah, votre nom, si vous voulez mettre aussi, si vous avez une chaîne YouTube, par exemple. Voilà, ou Instagram, ou Facebook. Voilà, mais guère plus. C'est pas un memory dex, vous mettez ce que vous aimez ou pas. Voilà, donc l'ATC doit faire 6,4, pas 8,9 ou 8,8. Je n'ai pas pu. Il y avait deux. Quand j'ai recherché les dimensions exactes, parce que je ne m'en rappelais plus. Il y avait, voilà, il y avait 8,8 ou 8,9. Donc si quelqu'un le sait, eh ben, dites-le moi, sinon, eh ben, au choix, 8,8 ou 8,9, un millimètre près. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est si vous avez des enfants, ils ont certainement des cartes de Pokémon. Eh ben, c'est la même dimension. Voilà. Donc, vous pouvez vous aider avec ça. Alors, avec les ATC, nous pouvons faire des letters pocket. Comme je vous ai fait plusieurs vidéos sur les letters pocket. Parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc ça, c'était la dernière que j'ai reçue de Chantal. Voilà, vous voyez, ça, c'est un ATC. Et en fait, une letter pocket, et ben, c'est 9 ATC qui racontent pour moi une histoire. Voilà. Voilà. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de faire 3 ATC avec vous. Voilà, aujourd'hui. Dans la barre de descriptif, il y a mon mail. Vous m'envoyez un mail, vous me dites que vous voulez participer au concours. Et moi, je vous envoie mon adresse en échange. Allez, go, c'est parti, je vous penche. Allez. Alors, attention, mal de mer. Pourquoi ça fait pas comme hier? Non, voilà. Alors, moi, pour m'avancer, j'avais déjà tout coupé, hein. Comme ça. Ça allait plus vite. Alors, voyez, donc là, ma carte, elle fait 6,4 par 8,9. Celle-là, elle fait 6,2 et 6,2 par 8,7. Voilà, comme ça fait un tout petit matage. Et bien, allez, je vais déjà coller ça. Je trouve que ça fait joli quand quand on mate. Ça fait ressortir la carte. Hop. Alors, bien sûr, eh ben, il faut que je sente comme il faut. Voilà, et maintenant on appuie. Qu'est-ce qu'il y a dessous qui bloque? Qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà. Donc c'est sur l'automne. Alors ça, c'est un bloc d'action. On est d'accord?
Donc là, je voulais mettre un petit peu de bois. Voilà, donc c'est un petit rond festonné que j'ai fait avec une perforatrice. En fait, il suffit que vous coupiez vos petits rectangles et après, eh ben, vous laissez votre imagination faire. Voilà. Alors moi j'avais, j'ai déjà, je l'ai, j'ai, comment dire, je l'ai préparé hier soir, donc je sais déjà ce que je vais mettre. Voilà. Sinon des fois je mets un petit peu plus de temps. Hein, Ouais. Je ne sais pas encore ce qu'il y aura à gagner dans ce concours. Tout dépendra des participantes, mais en tout cas, je pense qu'il y aura deux lots, comme dans la vidéo pour la petite devinette sur mon anniversaire. Oh, je vous le répète, vous avez jusqu'à la fin du mois pour répondre à la petite devinette. Et je vous ai mis sur Instagram les lots qui étaient à gagner. Donc si vous ne m'avez pas encore sur Instagram, eh ben dites-le moi en commentaire et je vous partagerai mon Instagram. Voilà, pourquoi il y a une panne de courant? Bizarre. Ils sont sûrement en train de faire des travaux. Ouais, le courant est revenu. Bon, de toute façon, je ne suis pas sur le courant là, puisque je suis sur la batterie de mon téléphone. Voilà. Donc, vous pouvez mettre aussi en relief donc ce que je suis en train de faire. Le petit renard. Allez, petit renard. Dépêche-toi. Et bien alors. Allez. Voilà. Allez, petit renard. Voilà. Ça aussi, je voulais le mettre en épaisseur. Hop. Et voilà. Allez. Voilà déjà. Après, je vais coller. Alors, je vous ai montré plusieurs fois la technique que j'utilise moi. Non, je ne vais pas mettre là. Je vais mettre là. Je vais mettre là. Pour coller les petites pièces. Donc, je prends un socle. Où on colle les tampons transparents là. Je mets de la colle. Je prends de la colle. Normalement, j'ai ma petite pincette et bien sûr, je l'ai laissée dans ma pièce. Donc, je ne l'aurai pas là. Et voilà. Et là, je viens coller. Ah, mais c'est un gland. Non, c'est pas ce plan-là que je voulais prendre. C'est celui-là. Et je vais en coller un autre. Et voilà, ma petite ATC est prête. Et ben, on va en faire une autre. Hop. Alors, j'ai conservé le même papier parce que du coup, j'en fais trois d'affilée.
Je veux que ça soit dans le même thème. Donc, j'ai gardé la même couleur de mon papier. J'ai pas changé. Mais vous pouvez très bien changer, hein. Ça, c'est suivant les goûts de chacun. Voilà. Là, je vais mettre ça. Donc, je vais mettre la colle là. Hop. Voilà. Et là, je vais couper. Ensuite, eh ben, c'est un petit nounours. Voilà. Non, je... Pourquoi que... Si, je vais mettre en relief le nounours. Le petit ours. Non. Et voilà. Donc, je mets mon petit ours. Et ben non, je voulais mettre ça avant. Je voulais mettre un petit rond pour avoir un petit rappel sur chaque ATC puisque c'est la même série. Je voulais qu'il y ait des choses qui se ressemblent. Là, je peux coller mon petit ours. Là, je vais coller des petits cœurs. C'est très embêtant que je n'ai pas ma pince. Un petit cœur là. Mettre un petit cœur rouge. Et un autre petit cœur. Ah, j'aurais pas dû faire comme ça. Ça, le petit cœur là, le petit cœur bleu, il va là, et l'autre petit cœur rouge, et ben il va là, hop là, et là, et ben on va mettre non des petits glands comme ça, ouais, c'est des petits glands de couleur, hop. Est-ce que j'ai mis un petit champignon comme j'avais prévu? Pas ça que j'aurais dû faire. Là, décidément, je fais tout faux. Alors, je vais coller mon champignon d'abord. Hop. Et moi, j'ai bientôt plus de colle. Voilà. Hop. Allez, un petit gland de chaque côté. On va peut-être remettre de la colle un petit peu. Voilà.
Et l'autre petit gland. Et voilà, ma deuxième petite ATC est prête. Je vais faire ma troisième petite ATC avec vous. Donc, on part sur le même principe et même papier. Hein. Le petit rond. Voilà. Ensuite, hop, la petite étiquette. Ensuite, l'arbre. Les petits champignons. La petite citrouille. Non, on va pas mettre ça. J'ai mis aucune feuille. Ouais, bah tant pis. Et la petite chouette. Et voilà, mon petit troisième ATC est prêt. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas le concours. Voilà, il y aura de l'eau à gagner. Alors oui, je sais pas, je n'ai pas fini. Vous avez jusqu'au 20 pour m'envoyer. Vous avez jusqu'au 20 pour m'envoyer 20 novembre. Oui, 20 novembre pour m'envoyer vos ATC. Et le tirage, enfin la vidéo du tirage, puisque je ferai le tirage après le 21 certainement, mais le temps que j'aille mettre ma vidéo chez ma copine, ça ne sera pas tout de suite, je pense. Donc autour du 25, voilà, le tirage au sort. Ok. Allez, bisous, bisous.